Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce déjà exceptionnelle. On avait commencé l'année en faisant un bowling plutôt classique avec Pierre et Ben. Et on finit l'année avec un bowling version géant, version XXL. Et regardez, on n'est pas n'importe où. On est dans l'incroyable et magnifique château de Cheverny. Un des plus beaux châteaux de la Loire qui appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles maintenant. Alors pourquoi il est beau? Pourquoi il est incroyable? Parce que pour les fins connaisseurs, il a inspiré Hergé à la création de la BD Tintin et notamment au château de Moulinsart. Pour cette vidéo, je vais être évidemment accompagné de deux gros compétiteurs. Il y aura bien évidemment Pierre Cross qui a toujours l'avion en bout de piste. Il y aura aussi Morgan VS qui sait très bien se servir de sa quille, mais va-t-il réussir à bien se servir de ses boules? Et moi-même, j'accueille tout de suite mes invités du jour, Pierre Cross et Morgan. Effectivement, je confirme, j'ai actuellement l'avion au bout de la piste. Je suis très content, regardez, on a une piste géante qui fait plus de 30 mètres. On va faire 5 rounds et à l'issue de chaque round, il y aura un ou plusieurs perdants. Mais quand on sait déjà pas jouer au bowling sur une piste normale, quel est l'intérêt de faire une piste géante? Tu sais pas jouer au bowling du tout? Non, mais je suis pas ouf. Par rapport au basket. Attends, pardon. on vous parlera de ça plus tard. Il a un truc ici. Vous êtes comment là niveau bowling, messieurs? Regarde. Oh, oui. Oh, on dirait un dieu grec avec un frisbee. C'est bon. Mais ce petite subtilité est pas des moindres. Sur chaque round, on pourra avoir des bonus grâce à un site internet qu'on a conçu grâce à Odoo qui est notre sponsor du jour. Donc merci à Odoo de nous accompagner dans cet incroyable projet. Alors Odoo, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui regroupe plein d'applications pour la gestion d'entreprise. Alors ce qui est bien avec Odoo, c'est que quand vous téléchargez une application, elle est gratuite à vie. Oui, je sais ça. Et ça devient payant à partir de deux applications. Donc nous, pour cette vidéo, on a utilisé l'éditeur de site internet que la prod a fait. Alors moi, j'ai pas fait le site internet, c'est la prod qui l'a fait. Ils m'ont dit que c'était très facile, que c'était très intuitif. Si la prod l'a fait, c'est bon. Exactement. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques, de compétences spécifiques, de langage de programmation, quoi que ce soit. On peut créer le site internet facilement en déplaçant les blocs, en modifiant le design, écrire ce que vous voulez, choisir le style. Donc voilà, c'est rapide, c'est efficace, c'est très très cool et on va s'en servir tout au long de la vidéo. Et avec Odoo, l'hébergement et le support est gratuit à vie, messieurs dames, et le nom de domaine est gratuit pendant un an. Si vous aussi vous voulez créer un site internet ou un site de e-commerce, vous pouvez utiliser Odoo. Je vous mets le lien en description. Merci encore une fois de nous accompagner sur ce beau projet, messieurs. C'est parti pour le bowling XXL. C'est parti. Messieurs, round numéro 1, vous le voyez, il y a une quille à toucher. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pour commencer, on a le droit chacun à une seule boule, mais on peut avoir une deuxième boule. Comment avoir cette deuxième boule? En répondant à une question sur le site, c'est fait grâce à Odoo. Mais attends, Odoo, ils sont forts, ils ont déjà fait la pièce qui est rétrécie. Messieurs, qui va nous poser une question? C'est le marquis Brieux. Alors je voulais lui donner un surnom, mais en fait il s'appelle déjà Brieux d'Orléans, qui était déjà assez bourgeois. Brieux, bienvenue dans la vidéo. Bah, merci beaucoup. Brieux donc a fait le site internet. Je peux faire une petite... Ouais. Tu veux faire ta blague sur le marquis? Non. Ah, attends, il va te la faire. Vas-y. Du coup, Brieux, tu es quoi comme titre de noblesse? Bah, je suis le marquis. Elle est simple, elle est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Merci, mon Brieux. Brieux a fait le site internet et va nous poser une question sur une thématique. Ceux qui répondent juste ont droit à une boule supplémentaire. D'accord. Brieux, je te laisse choisir qui commence et tu choisis la thématique que tu veux. Bah, pourquoi pas toi, Fred? Oh, Fred, tu commences. Je t'écoute, marquis. La première thématique, c'est le bowling. Ok, très bien. Par rapport à la thématique de la vidéo, ça tombe bien, j'adore le bowling. Question 1, quelle est la longueur d'une piste de bowling classique? 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres? Ah, c'est 20 mètres. Ah, oh, il connaît. Et blague à part, quand on a préparé la vidéo, je voulais voir un peu jusqu'où on pouvait faire cette piste. Elle fait 30 mètres et j'avais regardé à la base, effectivement. Bon, j'étais un peu avantagé. T'excuses pas d'avoir la culture, merde. À Morgan, toujours sur la thématique du bowling. Morgan, quelle est la taille d'une quille de bowling? 38,1 cm, 43,1 cm ou 48,1 cm? C'est la première. C'est 38. Attends, t'as bouge pas, ça fait ça 38. Eh ben non, c'est 40, c'est le milieu. 43,1? Ouais. Attends, t'es sûr? Ouais. Non, c'était 38. C'est dommage qu'il était trop à l'aise. En vrai, moi, là, j'aurais pas eu ça là. Et c'est là le gage où on s'insère là. Non, d'accord. À 2 cm près. Comme quoi, hein, chaque centimètre compte. Quel est le score maximum qu'on puisse faire au bowling? 240, 280 ou 300? 10.
multiplié par 8 x 2, moins 60, plus 34, 300. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, bien joué. Oh ouais, d'accord. Je... Si tu fais que des strikes, ça double à chaque fois. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si on réussit? Qu'est-ce qui se passe si on rate? Eh ben, c'est une très bonne question. Les gars, on a fait quelle vidéo ensemble? On a fait le lancer de hache ensemble. Oh, on a fait le concours de shoot à 3 points. C'est vrai. Et à chaque fois, il y a des petits gages. Mais y a, aujourd'hui. Il y a souvent un château derrière. Oh là là, je sens mal. Donc, il y aura des gages un peu tout au long de la vidéo. Ce sont pas des cuillères pimentées, c'est des quilles pimentées. T'as juste changé le début. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. En vrai, c'est une petite cuillère là pour commencer. Est-ce que c'est parti, messieurs? Je suis trop content, c'est parti pour le round numéro 1. Messieurs, c'est parti! Oh là là, je suis fan! Allez, vas-y, mon frère, dépucelle-moi cette piste! Allez, c'est parti! Allez, mon... Quel goal life! Oh, il va le faire, oh, il va le faire, oh, il va le faire, le salaud! Oui! Oh, il va le faire, le salaud! Yeah, c'est énorme, je suis trop content! Il a construit le truc pour s'amuser tout seul dans un truc qu'il maîtrise et nous ridiculiser aussi. Et ça va être que ça en fait. Bah arrête, tu l'as poncé le jeu. Hyper droit quand même. Après ça perdra un peu un coup de chance, c'est la chance du premier tir. Moi j'ai pas ton talent hein. T'as déjà joué au bowling toi? Moi là-bas je suis quelqu'un, tu sais, moi je suis plus dans la tête, c'est plus mental toi. Hein. Je suis quelqu'un de très, tu sais, moi j'ai la culture et c'est tout. C'est deux doigts là et deux doigts là. Arrête de m'entourlouper. Ok, c'est parti. Morgane, t'as une seule boule hein. Sinon c'est la petite cuillère. Par contre si elle part en arrière, ça. Attention au château. Il y a une caution. Ah, il va le faire aussi, il va le faire aussi. Vamos! Alors, monsieur Croisset, c'est les doigts comme ça! Fais-le! Non, mais attends, tout le monde y arrive, pourquoi tu arriverais pas? Après, Pierre, toi, t'as deux essais. Hein. De toute façon, là, c'est kit double. Oh putain! Non! Il a! Mais non. Il a pas. Elle retombe, non! Je vais pas mettre d'effet. T'es plus tabasco ou purée de piment? Allez! Va chercher, bonhomme! Ouais. Oh là là! Allez, là! Non! Yes! La cuillère! En vrai, là, c'est le début, là, tu vas pouvoir te rattraper. Premier gage, alors évidemment. Bonjour à tous. Bonjour. Messieurs, alors, bah, Pierre, bah, malheureusement. Eh bien, vas-y, celui qui perd toute la vidéo, il tombe le gazon du château. Très chaud, mais par contre, là, t'es mal parti, hein. Ouais. La dernière fois, il a eu l'honneur de venir nous donner les gages dans la vidéo sur le concours de shoot à 3 points. On accueille une nouvelle fois Braque Marquis. Allez, viens donc là, mon grand. Regardez comme il a upgrade. Attends, il est passé de. Il a pris du grade. Toujours des TN du 18e siècle, mais. Toujours. Pourquoi le contenu est plus grand que le contenant? Elle est gourmande, c'est vrai. Je me suis dit que ce serait pas assez fort, juste un tout petit peu de harissa. C'est vrai, je suis d'accord. Du coup, j'ai chargé un peu, mais ce sera pareil pour tout le monde. En mettant dans le contexte, il est 10h du mat. Hein. C'est l'heure de la RSA en vrai. La RSA après-midi, c'est infect. Ah ouais? C'est juste. Ça a l'air bon. Tu fais une drôle de tête quand tu manges de la RSA à 10h du matin. Attends, quoi. Là, on a aucune bouteille d'eau, on a rien. Donc, c'est-à-dire que ce goût-là, tu vas le garder. Hein. Première information du matin. Est-ce que c'est bon pour le poids, ça? Ça brûle les graisses. Tu sais que là, ça nettoie ton intestin, Pierre. Hein. C'est pas plus mal hein, pour le régime. Hein. Est-ce que du coup, t'as envie de plus t'appliquer pour les prochaines boules? Faut sauter un peu, comme quand tu te prends un ballon dans les boules, justement. Ah. Ouais, je sais pas, j'ai jamais mangé de harissa, donc peut-être que c'est fort. Ouais, à chaque fois, tu connais pas les doses, toi. C'est vrai que là, il en a mis beaucoup. Braque Marquis, merci beaucoup. On se retrouve pour le round numéro 2. À tout à l'heure. Passe. Oh, il subit. Messieurs, c'est parti pour le round numéro 2. Ça va mon Pierre? Ça va, je m'en mets doucement. T'auras d'autres rounds là pour te rattraper. Et après nous, faut pas trop qu'on fasse les malins, si bien on a eu un gros coup de chance Morgane. Hein. Alors justement, c'est quoi le prochain gage? Alors en tout cas, le prochain round là que je vous explique, c'est bowling classique. Enfin à 30 mètres. On reste dans un château bien sûr. Mais là on est sur 10 quilles. Et les ramasseurs de balles c'est des marquis, donc on n'est pas sur un bowling normal. Là pour commencer, on a deux boules, mais grâce à notre marquis Brieux d'Orléans, on peut avoir une troisième boule si on répond juste à la question de culture. Vous aviez pas un chapeau à la base? Si, mais ils tombent en fait. Concernant les gages, on se prend le nombre de cuillères pimentées par quille restante. Pierre, ça monte crescendo. Je crois que c'est de la purée de piment, ma mémoire est bonne. Donc deuxième thématique sur le château de Cheverny. Okay. On commence par qui? Bah on fait dans le même ordre. Première question, quand a été construit le château de Cheverny? Entre 1426 et 1543, entre 1624 et 1634, entre 1708 et 1711. Bah en vrai, je dans mon intro, je dis c'est la même famille depuis 6 siècles. Donc je dirais 1624-1634. J'ai pas compris le raisonnement. Hein. Bah c'est 6 siècles. Non, c'est 4 siècles ça. Non, tu t'es trompé. Ah mais je suis con, mais oui, mais c'est 1400. Putain, mais je suis trop con. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avec attends, Pierre. Mais non, attends, 6 siècles. Non, c'est ça, c'est 1624-1634. T'as un mauvais raisonnement. Ah oui, j'avoue raisonnement. T'as un mauvais
calcul. Mauvais raisonnement et bonne réponse. Non mais attends, il a le tout bord des nouilles, que veux-tu? Ensuite à Morgane. Ouais, vas-y mon gars. Morgane, en moyenne, combien de personnes visitent le château de Cheverny chaque année? 30 000, 100 000 ou 450 000? J'hésite entre 100 000 et 450 000, mais je me dis, attends, un demi-million de personnes par an, ça fait plus de 1000 personnes par jour. Je vais dire 100 000. C'était 450 000. Pour l'instant, les deux réponses ont été dites hier dans notre repas avec l'équipe. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais me prendre une question qui n'a même pas été abordée. Comment s'appelle le château de Tintin inspiré du château de Cheverny? Mais oh non. Non, arrêtez, vous trichez. Vous trichez. Il vient de le dire. Le château de Suparne, le château de Moulinsart ou le château de Richecourt? Est-ce que vous êtes mis un peu en commun sur ton intro et les questions? Parce qu'il y avait tout dans l'intro. Hein. Moulinsart. Moulinsart, bonne réponse. Non, mais attends. Attends, j'ai... Ah ouais, c'est non, mais j'ai toujours les pires questions. Frick, il a pas de chance. Bah attends, ça, si t'avais mangé avec nous hier, un très bon parmentier de canard, d'ailleurs. Un très bon parmentier de canard, monsieur. Donc moi, j'ai 3 boules. Commence, Fred. Attends, vas-y, humilie-nous, c'est ton sport. Est-ce que derrière nous, il y a un château, un tipi ou un carton? Je sais pas. Ah, ces petits pas, ils tirent un coup franc. Oh non. Ah, c'est... Oh non. J'ai raté. Faire tout ça pour ça. Tout ce raisonnement pour lancer une quille comme ça, mon grand. Truquer les questions. Allez, reprends une quille. Demander à Brio de te donner les réponses. Attends, il me reste deux. Ah, ah oui, c'est bien. C'est bien, ça. Ça passe bien. Oh non, ça a dévié. Il va y arriver parce que... Il maîtrise. Oh, il va y arriver. Non, 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 à ma droite. J'en ai 4. Ah, j'aurais pas aimé être à ta place faire tout ça pour ça. Allez, Morgane. Ok. Non, on prend tous la cuillère de piment par rapport à l'équipe qui reste, c'est pas par rapport à nous trois. Donc toi, t'as 4 cuillères. 4 quand même, ouais. Oh, c'est beaucoup. Oh, le bâtard. Balance. Voilà, mon gars. Voilà. C'est comme ça que ça se passe à Cheverny. C'est magnifique ce qu'il a fait là. Je vais pas avoir mal aux fesses quand je vais aller aux toilettes. Tout va bien se passer. Ah ouais. Alors que toi, tu vas enchaîner la harissa, la purée de piment. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu sais quoi, Brio, arrête de me poser les questions, je m'en bats les couilles moi, tu sais quoi. Attention Pierre, tu as 3 lancers pour ton intestin et ton estomac. Oh là là. En plus, il mord. Voilà Pierre, c'est bien. En plus, il a marché sur la piste. Arrête de marcher sur la piste. Ah ouais, pas marcher sur la piste. En plus, il balance la boule. Pierre, accompagne-la. Oh, elle est pas mal. Oh, elle est pas mal. Pourquoi vous prenez dans les bras, bref? Il a fait un strike, il a fait un... Il est facile, ce jeu. Ouais, il est facile, ouais. C'est dommage d'avoir organisé tout ça pour perdre à son propre jeu. Est-ce qu'il y a une vraie satisfaction quand tu fais un strike comme ça? Ah bah oui. Il est long, le trajet. Hein. Surtout que moi, je lance assez doucement. Je suis en train de passer pour l'instant, si je peux me permettre, une très belle... Mais attends, c'est trop gros, c'est rien, je d'ici, là. Non, mais il connaît pas les doses. Mais non, mais Thomas, c'est trop, là. Vous m'avez dit dégage et tout, voilà, pimenté. Merci. C'est quoi, ça, Thomas? C'est juste de la purée de piment. Oh, mais ça va. En vrai, c'est la purée. Heureusement que toi, t'es solide. Ça, moi, je pleure, mais même des oreilles. C'est le gage. Bon, effectivement, donc là, j'ai 4 cuillères parce qu'il me restait 4 quilles. Après, celle-là est un peu grosse, j'avoue. Dépêche-toi. Si tu tardes, ça va être chiant. T'as des coronesses. Tu devrais jouer avec tes coronesses. Elles sont plus grosses que ces boules. En plus, tu peux mettre 3 doigts. Elle est solide, hein, voilà. Elle est très très solide. Hein. Wow. Ah ouais. Si je souffle sur la piste là, je fais un strike juste avec mon haleine. Eh ben, merci beaucoup, Braque Marquis. Ça vous a plu? Vous êtes un super Braque Marquis. Pour le... Oh, ça, oh, ça chiague le piment. Tu te manges au prochain tour. Hein? Ah, t'as même plus les oreilles en fait. Deux. Messieurs, on passe tout de suite au round numéro 3 avec cette fois-ci. Là on passe en mode XXL. Ouais. Parce que on passe à 100 quilles. Oh là là. Et on va s'enquiller ou quoi là? Alright, elle a été faite hier soir. Messieurs, c'est parti pour le round numéro 3. Ça y est, là, on est parti en mode XL. Ça va mieux? En vrai, là, ça va mieux. J'ai eu le temps de recracher un peu. On a 5 qui, okay. Messieurs. C'est proprio. C'est lui qu'on a signé la caution. Cachez le bowling. Cachez le bowling. Non, monsieur, on n'a rien demandé. On n'a pas mis une piste. Non, monsieur. Tu veux jeter ou pas? Non, c'est bon, tranquille. Frère. Donc, deux boules, on peut aller. Donc, là, on a 2 boules, on peut aller chercher en 3ème. Allez. C'est chiant. On peut aller en chercher une 3ème si on répond juste à la question de Marquille. Allez. Là, les questions, je sais pas si elles sont dures, mais si tu veux, Morgane, tu veux commencer. Si la mienne à chaque fois est trop facile. Ouais, Morgane peut commencer. Ouais. Tu commences, je garde ma place. Donc là, c'est une thématique que normalement vous connaissez assez bien. YouTube. On a quand même les rois du buzz. Hein. C'est impossible que Pierre se trompe. Lequel de ces youtubeurs ne fait pas partie du top 10 français? Lama Fâché, Mister V ou Natou? Alors, Lama Fâché, c'est sûr qu'il y est, c'est le piège. Mais j'ai un doute entre Mister V et Natou, qui sont un peu moins actifs maintenant.
Moi, je sais. Je pense que Natou ne fait pas partie du top 10. Eh non, c'était Evic. Non, c'est Natou. Non, c'est Natou. C'est Natou et malheureusement, il n'y a plus de filles dans le top 10 actuellement. Ok, très bien. Moi, là, j'ai de la chance, mais bon. Du coup, à qui? C'est moi, c'est moi. Question pour Morgan. À qui? Oh oui. Morgan, en France, combien de chaînes YouTube ont plus d'un million d'abonnés? 120, 450 ou 8500? 450. Bonne réponse. Tchaaaaah. Pierre, laquelle de ces vidéos a cumulé le plus de vues sur YouTube? Johnny Johnny Yes Papa, Waka Waka de Shakira ou Gangnam Style? Je sais que c'est pas Gangnam Style, la première au monde, mais c'est un truc d'enfant, c'est mais c'est pas celle-là. La première au monde, c'est Despacito. Despacito a passé Gangnam Style, et en plus, il y a une chanson d'enfant qui est numéro 1, mais c'est pas celle-là. Ouais, c'est ça. Donc moi, je dirais que c'est Gangnam Style. Eh ben non, c'était Johnny Johnny Yes Papa. Regarde l'anachronisme qu'on a là. Pierre, t'as que 2 kills. Mais attends, c'est quoi le but? Non, il a que 2 boules. Enfin, on a tous 2 boules. Du coup, c'est quoi le but du jeu? Alors là, il y aura un seul perdant. Celui qui fait tomber le moins de quilles, ouais, se prend une bonne grosse cuillère. Elle est unique, celle-là, on est tranquille aujourd'hui. C'est de Hot Chili Pepper, je sais pas quoi, un truc comme ça. C'est un groupe de rock, ça. Et là, on joue sur la piste ou toujours sur le béton? On joue toujours sur le béton. Okay. On va monter sur le round numéro 4 sur la piste. Et vous verrez pourquoi. Restez juste après cette page de pub. Ouais, et je mettrai une pub à ce moment-là. Je commence encore une fois? Bah attends, mais Fred. Eh, hey, on a qu'une vie, hein. Connais tout YouTube par cœur et tu me sors ça? Johnny, Johnny, yes, papa. Vas-y, mon Fred, attention. Je vais être très agressif et là, je te jure, je vais envoyer la sauce. Oh là là, oh là, ça part, il va faire strike. Ah, il part en strike. Pas tant que ça, hein. Pas dégueu, pas dégueu. Il faut que je vise là-bas. La prod vient de me dire, j'en ai fait tomber 53. C'est marrant parce qu'on sait pas si c'est bien ou pas. T'as enlevé plus de la moitié avec une boule, frère. C'est pas mal, c'est pas mal. 53 qui, ça a l'air bien dans l'énoncé. Messieurs, il m'en reste 47. Allez. T'es parti vers la droite, hein. Comme tes choix politiques, mon Fred. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il a fait. Oh, c'est très bien, putain. Mais maintenant, c'est la dernière boule qui va faire la diff. 15. 15, c'est pas mal, hein. Si tu finis à moins de 10, c'est comme un mec qui joue mal au vrai bowling. Attention, Fred. Fred, t'as qu'une boule. C'est parti. Oh, il recule. Oh, il fait ça, il est... Non. Quand il est très âgé avec son corps. Voilà. En fait. Oh, je crois que c'est mal parti. Ah, je veux pas être mauvaise langue, mais je crois que c'est mal parti. Ah, c'est nul. C'est nul. T'as 100 qui en face de toi, t'en entends plus une. 86 sur 100. 86. Là, comme ça, d'instinct, ça a l'air pas mal. Morgane, c'est à toi. Ça. T'as le droit, comme moi, à 3 boules. Allez, c'est parti, Morgane. Bonne chance. Allez, Morgane. Okay, bon. Morgane, qui est très bon pour moi, là, qui a tout fait tomber. C'est un vrai tombeur. C'est... Il peut refaire un strike, hein. Il est mort. Oh, ça compte pas. Fou. Ça compte pas. C'est pas mal. En vrai, ça passe. Il en reste 40. Ah, t'as fait un meilleur lancer que moi. Allez, Morgane, deuxième lancer et pas des moindres. Il se concentre, le joueur français là se concentre. Oh, c'est pas mal. Eh ouais, ouais, il a la bonne stratégie, je crois. Bam. Je crois qu'il te bat déjà. Il est devant moi déjà. Il est devant moi déjà. Là, je il s'est mis en sécurité. Il s'est mis là, il est bien. Ça veut dire que mathématiquement, je peux faire mieux que toi en deux lancers. Donc ouais, t'en as tué 28 sur le tour d'avant. Est-ce que tu prends celle qui est devant et tu fais tout exploser au maximum? Bah, je pense pas, à gauche, je là. Je pense que je vais faire ça. Celle qui est devant avec les... Celle d'elle. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, il a fait le choix, il a fait un choix aussi. Zéro. C'est putain zéro. Zéro. T'as vu, c'est dur, hein. Donc en fait, on est tous à deux lancers. Bravo, Morgane. Là, t'as fait 88. Ouais. Dernier lance un peu déceptif, mais bon. J'ai tenté un petit truc, j'étais sûr de... T'avais pas d'enjeu, sachant que là, que t'étais sûr de pas perdre. Maintenant, Pierre, c'est à toi. J'y vais. La différence, c'est que toi, t'as deux lancers et il faut que tu battes 86. Ouais, mais pour l'instant, on a fait... C'est comme si vous avez fait deux lancers. Ouais. T'as mis un, t'as mis zéro au troisième. Finalement, je me retrouve dans de un peu à égalité. Égalité. Ouais, exactement. Allez, Pierre, à toi, bonne chance. Et en vrai, c'est faisable. En deux coups, c'est faisable. Mais là, faut pas que tu te rates sur celui-là. Ouais, on a tous fait deux boules presque. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est un peu faible. C'est pas mal, Pierre. C'est pas... Oh, là, là. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je voulais une stratégie un peu de côté. Je pense que là, tu me bats, là. Si tu me touches le centre, là. Passement de jambe, passement de jambe. C'est la boule qui le dribble. Oh, 23, Pierre. Et toi, t'étais à? Il est 14, il t'en restait 14. Faut t'en toucher 9. Moi, je te dis... Oh, oh, il est stressé. Il y a le Pierre Cross stressé. Là, je tente une diagonale en arrivant un tout petit peu à droite du centre pour arriver après derrière sur celle-là. Ça va être payant, ça peut être payant, Pierre. Oh non. Oh non. Oh merde.
C'était si bien parti. Rapper. Eh, Pierre, c'est pas grave, c'est méchant. Tu fais un super lancer de fou. Oh. Un magnifique premier lancer. Pierre, regarde. Pierre, je te jure, c'était tout simple. Regarde. Regarde, Pierre. Ouais. Regarde. Fallait vraiment faire ça. Ça, j'ai gagné. Ouais. Là, t'étais premier. C'était juste ça qu'il fallait faire. Braque Marty. C'est une cuillère, une grosse cuillère. Non, une énorme cuillère. Non, Thomas. C'est une énorme cuillère. Mais il a aucune idée des doses. Pour lui, des ketchup, c'est fort, donc. On accueille Braque Marty. Bonjour Braque Marty, bienvenue. Bonjour. Non, c'est une seule cuillère. C'est une seule cuillère. Moi, on m'a dit que c'était 23 quilles. Du coup, c'était divisé par 10 le nombre de quilles. Personne n'a dit ça au début. Si, moi, on m'a dit ça. Ah oui, c'est vrai, je l'avais dit ça en off. Deux petites, ça va, Pierre. L'autre vite, chaud. Comment je suis content aujourd'hui de pas perdre. Je pense que c'était le plus piquant pour l'instant. Ça remonte dans le nez là. Le regard. Okay. On passe au truc suivant. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. On a fait 100 kills, c'était rigolo. C'était génial comme épreuve. J'ai adoré cette épreuve, et toi? Alors, regarde. Là, on va passer en mode XXXXL. On a 10 magnifiques kills géantes qui font plus de 2 mètres. Et on a aussi des boules géantes. Et des petits gants. C'est pour ça qu'on a des gants. On a des petits gants parce qu'on va devoir jeter ces énormes boules sur ces énormes kills. Comme sur le round précédent, on a le droit à 2 boules, mais peut-être 3. Vous connaissez la mécanique. Si on répond juste à une question de culture générale. Notre marquis d'Orléans, quelle est la thématique du jour? Les boules, on va sur le bowling, on est sur les boules. Les boules dans sa globalité. Dans la globalité. À quel prix a été vendue la boule de Noël la plus chère de l'histoire? 92 000 euros, 520 000 euros ou 8 millions d'euros? 92 000 euros, c'est rien. Boule à 1 euro versus boule à 92 000 euros. Boule à 1 euro versus boule à 500 000 euros. 8 millions. Pff, non, 8 millions, non, 8 millions. Je dis 92 000. Moi, c'est ce que j'aurais pris aussi. Ah, c'est la bonne réponse. C'est pas cher, hein. Franchement, c'est pas cher. Ah, une boule de Noël à 92 000. Attends, à qui là? C'est à moi. Vas-y, mon gars. Question 2. Combien de personnes ont été réunies lors de la plus grande bataille de boules de neige de l'histoire? 1245, 7681 ou 8775? Ah, je vais dire 8000. C'était 7681. Donc, j'ai faux? Ouais, t'étais loin. T'as que 2 boules là. Pierre Cross, le youtubeur. Une bonne question de boule, s'il te plaît. Quel est le record du nombre de boules de glace empilées sur le même cornet? 42, 78 ou 121? 78. C'était 121. 121. Messieurs, juste pour vous dire, sur ce gage-là, on est, ça y est, c'est fini, les cuillères pimentées, etc. On aura un gage qui va s'appeler la béquille. Je vous en parle plus tard. Alors, la béquille, c'est un coup très très fort d'argent qui fait que tu marches de manière ridicule et humilié pendant 2 jours. Comment va se passer? C'est la personne qui va faire tomber le moins de quilles qui va se prendre le nombre de coups de béquille par quille restante. Du sadisme. Ça, c'est le marquis de Sade. Vous avez une délimitation, après vous pouvez mordre si vous voulez mordre, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai mordu une fois, ça va. On est sur des boules géantes qui font 10 kg et 70 cm de diamètre, à ne pas confondre avec la circonférence. On va essayer de voir la méthode de Fred. Vas-y. T'as combien de boules, toi? J'en ai 3. C'est bon, c'est bien. Au moins, il a celle d'échauffement parce qu'on sait pas du tout la méthode. Ok, vas-y, toi, tu vas lancer comme ça, vas-y, mon gars. Oh, c'est bien lancé. Ouais, mais attention, allez, touche. Oh la tristesse. Oh. Ah, il y a le vent là. Allez, 0. 0. C'est bien, au moins on est à égalité. Attention. Allez. Attention à pas mordre. Oh non, oh, non, la rigole. Oh là 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 là. Je suis en train de me régaler pour l'instant. Allez, pour 1-0. Pour 1-0. Oh là. Non, en vrai, pour la vidéo, vous voulez pas que je relance? Non. Mais pas attends, s'il te plaît. Gardez sans montage. Hey, il suffit de toucher une quille, on est bon. Faites les malins. T'inquiète pas, mon gars. Allez, Morgane. Une seule était sauvée. Oh là. Ça mord. C'est pas facile, les gars. Hein. Je vais changer de technique, ok. Oh. Vas-y, mon Pierre. Je fais le geste officiel. Hein. Personne, y a pas de geste aussi. C'est pas mal, Pierre. Et non, c'est comme nous, Pierre. C'est dur. J'arrive à mettre des auto-béquilles, là. On va recommencer le round. Monsieur, c'est inédit dans l'histoire du bowling géant XXL devant le château de Cheverny. Toi, t'en as lancé 3 en plus. J'en ai lancé 3, j'en ai pas eu une. Et là, tu recommences à 3 aussi? Bah ouais.
Oh là là, les gars! Donc là, du coup, t'auras eu deux boules en plus que nous. Si vous voulez, les gars, je repars à deux, si vous voulez. Repars à deux? Ou alors, tu réponds à une question juste maintenant. Donne-nous une question là, au hasard. Une question au hasard. T'as 5 secondes pour me donner 5 ingrédients d'un Pokéball. Du riz, de l'ananas, du saumon. Trop tard, 5 secondes. Okay. Allez, okay. Allez! Allez, allez! Allez, ma boule! Yes, yes, yes! Oui, 3, oui. C'est 3, c'est 3. On garde cette tolérance. Il y a une qui est comme ça, elle est tombée. Ah, oui. Mais pourtant, la tour de piste, elle est tombée en fait en Italie. Pas mal, hein. C'est bien, ça me va. Ah ouais, on va y aller. Mais elle est bien ta méthode. Allez, allez, ah oui. Non, elle va pas la faire tomber. Non. Non, là, on peut pas. Là. 3, c'est pas mal. Allez, Morgane. Allez, regarde, dis-toi que pour l'instant, en cumulé, t'as 0. Eh, c'est pas cool pour ma confiance en moi. Pas mal! Bien. Oh là là, ça esquive! Ça fait le malin avec des boules normales, mais dès que c'est géant, il n'y a plus personne. Hein. Pourtant, c'était très bien lancé. Moi, franchement, si j'étais un lanceur de bowling géant XXL devant le château de Giovanni, j'aimerais être toi. Ta mère! Ah, merde! Oh, 1 Pierre, maintenant là t'as pas le choix, c'est au moins 1. Attention Pierre, à ton genou. Elle a mon diamant. Elle a mon diamant. Allez, allez, on enchaîne là. Comment t'arrives? Dégage. Mais j'ai rien fait. Bravo! Allez, reviens! Bref, Marquis! Bref, Marquis! Comment je peux me qualifier sur cette épreuve avec cette vieille qui... Pierre, on va aller tranquille, t'inquiète. J'ai perdu 3 gages sur 4. Oh non. On dirait un délire de bourgeois qui vient frapper un mec du tiers état. On y va tranquille. Tranquille. Bah, il en reste 10. Là? Là, mais en vrai, c'est Thomas, dommage, Thomas, tu te rappelles les shots de vodka sur le lancer de hache que t'avais fait en dosage? Je veux la même chose niveau violence. Ah ouais, niveau violence. Non, en vrai, on y va tranquille. Il y a 5 de cette taille. Attends, mais c'est pas des shots, ça. Mais ils sont énormes, ils slipent ces shots. Ouais, on y va tranquille. Attends, c'est quoi le but, là? Bah, c'est la béquille. C'est, tu sors en fauteuil dans une heure et demie. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent, tous les gars, etc., c'est fait entre nous. Ne faites pas ça chez vous, ça fait évidemment très mal. C'est pas des professionnels, Pierre est cascadeur à la base. Allez, tu peux faire une béquille d'essai? Ah ouais, attends. Ça fait mal. Non, c'est bien. Il y a 10 ça. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez au sol. 7, 8. Voilà, c'est bien Pierre, c'est rien. Bravo Pierre, on l'applaudit. C'est bien Pierre, c'est bien. Merci Bourek Marquis. Avec plaisir. On se trouve pour le dernier round. On n'aura pas besoin de vous Bourek Marquis, mais vous pouvez venir nous aider quand même avec toujours un peu de violence là, j'imagine. Ça va Pierre? Ouais, tranquille. Il m'a amené au sol en plus. C'est vrai. Il t'a amené au sol. Il voulait se mettre en mode. Fais mal ce truc. T'as mal là? Bah oui. Et t'as perdu combien de gages en 4? À 3. Messieurs, on passe tout de suite sur le 5e et dernier round. On arrive déjà sur la fin de cette magnifique journée. On passe tout de suite au round numéro 5. Magnifique journée, ça dépend pour qui. Ouais, c'est. On va toujours jouer avec le même setup, mais avec un nouveau propulseur. Et le perdant, on l'étouffe au gravier ou on fait un truc où il peut survivre? Je te donne un indice, le perdant va devenir une quille géante. Oh, tout de suite, le round numéro 5. Là, les amis, on va passer au 5. Cam round, pour l'instant ça se passe très mal pour Pierre qui a pris 3 gages sur 4, moi j'en ai pris un. Ça joue là, ça tourne ou pas? Bah oui, ça tourne. Moi je te laisse moi ça hein. 5e et dernier round messieurs, on va jouer toujours avec ces quilles géantes et les boules géantes, puis on aura un propulseur. Le propulseur qu'on avait déjà un petit peu sur le camp hall géant qu'on avait fait avec Ben la dernière fois. Je remercie une nouvelle fois Rémi qui a construit tout cet environnement. Merci à Rémi qui a bossé avec toi sur le lit en haut du pic. Ouais exactement. Ah c'est lui qui l'a fait aussi? Exactement. Et c'est lui qui a fait les arches de Kudit. Donc merci, grosse masterclass. Il a construit la piste, il a installé la piste ici. Bravo. Lui, hein. C'était lui le château à l'époque. Il a fait le château aussi. Ouais. Il a fait le château. Mais je suis sûr que c'est l'ancêtre de Rémi qui a bossé ici. Donc deux boules pour ce dernier round. Ouais. Mais une troisième boule à aller chercher grâce à qui d'autre que notre Marquis? Ah ouais, d'Orléans. Bien la question. Encore une fois avec le site qui a été fait avec Odou. Merci Odou. Merci Odou. C'est une télé de l'époque? C'est une télé que vous avez pris du château? Un Mac d'époque. Allez vas-y. Donc là la thématique c'est les trios célèbres. Alors trio parce que on est quand même un trio iconique de YouTube tous les trois. Les Inconnus sont un des trios comiques les plus connus du 20e siècle. Mais au départ ils étaient 5. Comment s'appelaient les deux autres humoristes? Smaïn et Seymour Bruxelles, Sylvie Germain
et Thierry Berdou ou Alain de Troyes et Rudy. Je suis sûr à 1000% qu'il y avait Smaïn, mais je connais pas la deuxième personne, enfin la cinquième personne. Donc c'est Smaïn et Seymour Bruxelles. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas ça. À Pierre ou à Morgane? C'est à moi. Vas-y. Lequel de ces trios célèbres n'existe pas? Alex, Sam et Clover, Marie, Toulouse et Berlioz, ou Tintin, Capitaine Haddock et Lucie? Alors, le deuxième, c'est les Aristochats. C'est les trois chatons de l'Aristochat, donc le deuxième, c'est sûr qu'il existe. Qui est Lucie? En fait, c'est la Lucie qui me... Je connais pas Lucie dans mais Tintin. Mais il pense à Brio, et Brio, il fait des pièges, Brio. Alem, Sam et Clover, je me dis, en fait, je vois pas Brio inventer le mot Clover. je vais dire, c'est le 3. Te vois, il y a Clover. Oui, t'as raison, parce que Alex, Sam et Clover, c'est les Totally Spice. Exactement. Trois boules! J'adore les boules! À Pierre? Vas-y. Comment s'appelle le trio comique formé par Florence Foresti, Céline Yachouni et Cécile Giroux? Rire ou conduire, il faut choisir, les top modèles ou les inconnuls? Alors pour moi, le seul trio comique de femmes que je connais de nom, c'est les top modèles. Je suis pas sûr que ce soit elles, mais vu que c'est le seul trio que je connais de nom, go. Ouais, c'est une bonne réponse. On a tous trois boules. Ok. Bizarre comme phrase. Là, ça m'a l'air un peu technique quand même. Hein. En vrai, là, ça va être pas mal. Hein. Vous êtes prêts, les gars? C'est bon, mon frère, tu peux. 3, 2, 1, prends ça, Thomas Pesquet. Oh, regarde, non. Oh non! Oh, c'est déceptif! T'en as un autre, bouge pas. 3, 2, 1, go! Ah putain, ça le reprend en fait! Allez, allez! Oh oui! Oh le 2! Oh le doublé! Il y a un seul perdant, c'est celui qui fait tomber le moins de qui. Le moins de qui, hein? 3, 2, 1, go! T'as raison, Pierre! Non! Ah, il a pas écouté! Pas facile, les gars! Et ça, à mon avis, tu dois mettre le plus bas possible. Tu penses comme ça, là? Ça arrive. En fait, toi, le retour fait que... Attention. Commence à la pointe, sinon ça va... Allez, Morgane! Oh oui! Un très propre. En tout cas, la technique est bonne. Il manquait de force. Ah. Plus bas. Je suis en train de me faire embarquer par le... Allez Morgane, dernier lancé du bowling XXL devant le château de Cheverny. Oh. Oh non. Ah, je suis déçu. Je suis sûr de pas perdre sur cette manche. Je pense avoir capté la technique, mais grâce à vos erreurs en fait. C'est quoi le gage? Ah oui, on sait juste qu'on est une qui géante quoi. Oh là là, il est intéressant. Allez Pierre. Non. Non. Allez Cross, premier lancé. Oh oui. Ah c'est bien, c'est beau. Il y en a une. Allez. En tout cas, là, t'as la bonne technique, je crois que... Là, t'as égalisé avec moi, Pierre Cross. Attention. Et là, ça touche. Deux, là. Ça fait trois, c'est gagné pour Pierre. Qui a fait combien? Moi, j'ai fait deux. Moi, j'ai fait un. C'est pas mal. Oh non. Ah dommage, à la fin. Bon, je suis une quille. Bon, c'était pas facile. Ah, j'ai perdu l'épreuve. C'était pas facile. Pierre, trois quilles, deux quilles pour moi et malheureusement, une seule quille pour Morgane qui va se prendre le gage. Morgane, le gage. T'étais pas encore pris de gage? Non. Ah oui, c'est la première fois, bah c'est tranquille. C'est tranquille, ouais, c'est ça. Je vais être la première quille, quoi. Voilà, Morgane, il va être la première quille. Et nous, on va juste essayer de te toucher. En plus, on peut y aller à deux, là, sur la catapulte. Quelle bande d'enfoirés. Bon, allez, je vais mettre, les gars. Allez, en piste, on va l'exploser. Mettez une petite écharpe rouge, là. Morgane, tu viens clôturer ce dernier round et cette vidéo. Tu te prends le gage et on a évidemment Braque Marquis qui est avec nous pour la sentence. On va lancer 4 boules et puis voilà. Hein. Après, tu peux un peu te protéger, mais idéalement, non. Quoi. Une quille, ça bouge pas. Est-ce que tous les Marquis peuvent venir nous aider pour qu'on tire bien plus fort? Ah, allez, viens, Brio. Ça va, wesh. Morgane, une quille, ça ne se défend pas. Hein. J'ai jamais vu une quille faire. Ah non, attention. Non, je bouge pas. Bah, je sais que quand elle sera ici, elle aura beaucoup moins de force déjà. 3, 2, 1. Bon, attends, est-ce que le Marquis peut en lancer? Allez, le Marquis, Braque Marquis. Attention Morgane. C'est hyper dangereux pour Morgane. Alors prends ça. Oh fils. Non mais elles sont ultra lourdes. Là Lucas Hernandez il se blesse hein, de 6 mois là. Allez plus bas, encore plus bas, plus bas. Attention Morgane, là. Si tu peux la passer plus bas, attention vos mains. Prêt? Ouais. Oh oui. Oh! Ah! C'est bien! Oh, le Marquis sadique, lui! Vas-y, viens, Morgane! Allez!
c'est rien. Eh hey, Morgane, relève-toi. Ah, ça va Morgane. Messieurs, c'est une fin de vidéo. Ma plus grosse vidéo de cette fin d'année. Et je voulais marquer le coup parce qu'en fait, comment je me suis basé? Tu voulais marquer le coup. Oh. Le jour où sort cette vidéo, on est le jeudi 15 décembre. Et hier est sorti Avatar 2. Comment t'as fait le rapport entre les deux? Non mais, et en plus, entre ce qu'on a fait là en termes de science-fiction. Ah oui, les boules, elles sont bleues. Non mais exactement. Et je me suis dit, attends, là, il y a un gros banger qui sort au cinéma. Il faut que sur YouTube, on ait un équivalent. Donc, je me suis dit, Maison Grise va concurrencer James Cameron. Non, voilà. Bah, vous allez voir là les plans de route de Joe, ils sont incroyables. Hein. Merci Pierre Cross d'être venu sur cette belle vidéo. Belle initiative. Merci. Et on s'engage à laisser le bowling sur le château ici. Comme ça, les gens qui viennent visiter le château peuvent faire un bowling géant. Tu sais que ça fait venir du monde en plus. Hein. Merci Morgane d'être venu. Je remercie Odou de nous avoir accompagnés sur ce gros projet. Je vous mets le lien en description pour vos projets pro, vos projets perso, faire des sites. Voilà, allez-y tester, c'est vraiment cool. Je remercie bien évidemment le château de Cheverny, dédicace à Maximilien, de nous avoir donné accès à tout ce magnifique endroit. Venez dans le coin pour visiter un des plus beaux châteaux de la Loire. Ça regorge plein de surprises. Il y a plein d'animations, de décorations, d'activités. Là, pendant la période de Noël, hier, on s'est fait un magnifique repas avec une belle décoration de Noël. Donc, merci évidemment au château. Je remercie Rémi qui a construit tout ça. Je remercie la tech, la prod pour ce beau projet. Merci, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour des vidéos encore plus fat. Plus fat que ça? Ouais. T'as encore d'autres idées de XXL? Faut trouver des châteaux plus grands quoi. Donc abonnez-vous. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. Fin de vidéo. Ciao.